Merci, cher journaliste. Merci, haut congressiste, d'avoir répondu à l'invitation du Bureau national. Nous aussi, nous avons choisi ce thème de petit correct, passage obligé pour l'alternance en 2020. Ça signifie tout simplement que nous ne devons pas poser d'actes ou faire des comportements qui ont tendance à exclure les amis qui sont en lutte avec nous. Que ce soit le comportement ou que ce soit à la prise de parole ou les propos, nous devons savoir jouer avec tact pour ne pas frustrer les gens. C'est ça qu'il faut dans le pays. Il ne faut pas frustrer quelqu'un. Et nous devons fusionner nos forces pour tout ce que nous avons fait. Voilà un peu ce qui veut dire ce thème. Alors on sait que le parti a traversé récemment avec cette situation. Il faut pallier à cette difficulté que les militants et ses partisans de tous les terrains du pays ont demandé la tenue de ce congrès extraordinaire pour resserrer et se mettre en place. Vous confirmez la crise est derrière vous? La crise est vraiment derrière nous. Les dissidents seront remplacés à ce congrès et pour qu'il y ait une nouvelle vie à notre pays. Quels vont être les démocrates après ce congrès? Les démocrates seront comme ils étaient avant. Ça veut dire que nous serons en rang resserré et nous serons en ordre de bataille pour tenir la place que nous avons parlé. Est-ce que les démocrates présenteront un candidat pour 2020? Mon cher ami, la question suscite une réponse. Je dirais que nous ne sommes pas un parti politique électoraliste. Et nous éveillons la conscience des masses. Et pour aller à une élection, pas dans ces conditions pareilles. Nommé par la Cour constitutionnelle en décembre 2018, ont adopté une constitution, mais c'est une constitution antidémocratique. Donc nous disons que c'est une constitution antidémocratique. Et ils sont allés faire la volonté du Forum national. Et nous n'allons pas accepter. On ne peut pas bâtir la nation, une nation ne peut pas être sur la volonté de l'individu. Donc nous n'allons pas cautionner Forum national à fouer au pied des règles de la démocratie. Alors, est-ce à dire en réalité que les démocrates... Soutenir un candidat en 2020, je dis que toutes les conditions sont réunies, les conditions de transparence sont réunies et que celui qui a franchi la barre de deux mandats se retire pour que le jeu soit ouvert à des Togolais pour donner 7 millions de Togolais aller aux élections et obtenir un candidat avec un Forum national qui a déjà fonctionné de 3 mandats. Ça veut dire que nous cautionnons quelqu'un à bafouer les règles de la démocratie. Dernière question. En 2014, vous avez été déclaré par les élections présidentielles. Vous êtes en 2014. Aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes pas parti électoraliste. Quelle genre de collaboration s'agit-il avec la CEPATOR? D'abord, le parti, les démocrates, est un parti. Vous pouvez comprendre. C'est une entité bien défini. Nous avons notre ligne de conduite. Avant de faire partie de la coalition, notre ligne de conduite. Et on ne peut pas se dire, avec les conditions actuelles, moi j'ai assisté tout à l'heure, les élections locales qui sont passées tout derrière moi. Il y a eu un courage systématique des jours. Et les gens ont changé les procès verbaux. Les chefs d'entre eux ont voté à la paix. Et c'est ça, les jours votés dans les maisons du chef d'entre eux ont été remplacés. Nous n'allons pas cautionner les gens à frauder, nous n'allons pas cautionner les gens à bafouer la démocratie. Merci.